OK, son président, c'est président Pan qui a assassiné. Donc Colombie pas cap mener enquête pour nous. Des militaires en fonction jusqu'à ce que il y ait de preuves palpables, tangibles qui dit que militaire ça ou pas en fonction, c'est de militaires colombiens qui viennent assassiner président. C'est aspect ça et faut nous prioriser et même encourager de journalistes, de médias pour aller faire de enquête au niveau de la Colombie, de études, de parcours et colombien ça, de militaires colombiens ça, qui côté au sorti, qui parcours, qui grade dans l'armée, à qui moment, parce que y a dit que c'est de anciens militaires. Donc, moi-même, tes anciens militaires, là, ma poêle, jusqu'à ce qu'on ait de preuves palpables, à un certain moment de la durée, que yoté mette fin avec service. Donc, jusqu'à présent, c'est le militaire colombien qui a assassiné chef de l'État, président haïtien. Bien entendu, il n'est pas privé, il s'est de exécutant, ça n'est pas privé, fait, accompli, sans le concours, vraiment concours des nationaux, de propres citoyens, la caillou, que ce soit de monde qui est placé pour sécuriser la famille présidentielle, et que ce soit de. Et moun ki nan secteur ki de haïtiens de nationaux qui participaient dont non yo sorti gen de enquête internationale gen de médias mwen wè qui dit que yo t'ai engagé moun sa yo à partir de on lettre que on juge parce que l'on dit on juge cour cassation c'est la plus haute instance judiciaire de ce pays c'est la cour suprême l'on parle de li pour les poids américains li connaît qui ça que juge ça représenter la caili c'est même c'est li mete yo sou même niveau l'on dit un député haïtien l'homme sur le plan international yo ban mwen tout honneur que ça mérite yo traité avec dignité parce que yo connaît son congressman son parlementaire premier donc là c'est deux juges on juge dans la cour de cassation qui est engagé et on firme pour entrer avec colombien ça pour une faire et ou gen plusieurs pays qui entré et en ligne de compte ou gagne République Dominicaine parce que tu traversé par là et yo fait comprendre que c'est hélicoptère qui avion qui poté et mais on parti dans mercenaire yo c'est pour ancien candidat à la présidence puis gamon yo vinn faire jouette son enquête qui a engagé plusieurs pays et même prêt et m'était sermenté au niveau parlement pour mettre vim en holocauste pour question pays ça pour de histoire de nèg qui comprennent que n'a pas richesse pays pour nous tout pisil et puis pour moi même comme monde qui était présenté devant peuple ou bien quel que soit élu c'est eux même qui volaient c'est eux même qui pas capable marcher la caillou alors que économie pays a 95% richesse pays a dans main nous a fait n'a placé de fonds à l'étranger et puis richesse pays a dans main nous et puis de parlementaire pour job que constitution ba yo plein pouvoir pour mener enquête il a le fait de tchoul. Il a le fait tchoul nèg sa yo qui kembe économie en otage. Donc si nous fait président de la République qui te gen toute sécurité sa yo avec nous tuer donc moi même question de vie à 48 ans, j'ai 48 ans. Vous comprenez pas nèg k ap vinn fè peur. C'est nous pour peur parce que m pa gen sans président dans cravate men ni dans chemise men. M pa konn assassiner moun. OK? Donc c'est politique, il y a débat contradictoire, nous ne doit pas d'accord, mais arriver à assassiner un président. J'en nous fait là même assassiner, nous massacrer un président de la République. Et moi j'ai pratiqué Jovenel Moïse depuis notre campagne. Si c'est depuis notre campagne électorale. Monsieur toujours à discuter de rêve pour pays. Qui ça le besoin? Monsieur rentré devant état de fait, c'est normal ou dans élection. Gari même te font choix. M'pral dans l'élection, c'est moi qui te vle candidat, parce que m'prêt pour m'candidat. M'pat gen un moun que m'te écrit dans la bourgeoisie qui dit pour financer campagne, parce que m'pat vle al tchou le moun. Pour les m'rive dans le parlement, m'prêt dossier que m'de aborder. C'est population qui est soif là qui vote. Donc, est-ce que vous avez dit là rapidement, tout candidat qui te demandé financement de la bourgeoisie, c'était sur le terrain, notamment Jovenel. M'pat pral dit ça. M'pa beaucoup dit ça non mais président Jovenel nous connaît que la bourgeoisie pour beaucoup t'a aidé dans campagne oui OK ça c'est pas un secret mais l'ont aidé
un candidat faut qu'il aide en fonction de projet de société, projet de campagne qui ça voulait pour pays. Seul ça on peut promettre on qui veut financer campagne, mais bien que ça parle du jour m'pas mandé moun ça, m'pas besoin ça tout. C'est dim qui ça que m'pral offrir pour que stabilité dans pays. C'est ça qu'on capable ba un homme d'affaires en retour. La financer mais n'a met ton climat que l'état travail non seulement pour cadre législatif yo de loi qui est disponible dans le pays pour régulariser l'institution, pour gagner stabilité, pour gagner sécurité dans le pays. Mais si on a compris, on a financé de campagne pour campagne électorale en retour pour me prendre comme porte-parole dans le Parlement, pour empêcher le budget voter, pour me craser le Parlement pour le budget pas voter, vina méga fond fait tete, et par Alfredo Antoine, on a besoin. Je suis à 48 ans, je vais préparer d'abord avant que je descende dans le Parlement. C'est pas parlement qui pral bon premier machine que m'a boulé. OK, donc faut population tout commencer de monde qui vient à sac l'argent avec l'argent chango pour voter yo ou a fin voter ou pas jamais moi yo. Et qu'est-ce qu'on doit prendre témoin de ça, c'est peut-être ça me vient à onser de dossier que m'était prendre en parlement parce que problème pays c'est pour problème politique des salines te fait déjà si problème économique et président Jovenel te rend compte s'il pas attaqué problème économique yo pays a peuple là à 85% 90% toujours dans crasse économie pays a richesse pays a mauvaise distribution de richesse pays a c'est ça qui entraîne misère que moun pa ka passer et sous route Matissan 5 départements prend en otage c'est ça yo de gang ka, prolifération des gangs de jeunes qui t'a doué même rêve avec même côté avec mais le fait que l'état te prend en otage, ou capturer richesse l'État, et ou joindre deux mondes qui rentrent, qui prend forme l'État comme dirigeant, fait que ou pas fait de développement, créer l'école professionnelle, bas jeune ça ou de possibilité pour que yon vin des citoyens honnêtes dans la société, yon vin de gang, c'est zam que mette dans le monde. Depuis que vous avez vu, je suis content, moi, commencé là, mais je de trois questions, je vous pour qui ça, selon vous, même, vous avez l'été public et président Jovenel non seulement son proche li pa vinn faire de confession que président était faible mais toute menace était publique tout monde qui t'a menacé président li public OK donc yo tué président parce que gen de contrat léonais OK de monde de secteur qui était bénéficié de contrat parce que c'est yo toujours mettre président yo bail président yo filé femme bail président. OK parce que ça le président Jovenel Moïse Dilvin avec toute chaise li et l'elle t'ai montré chaise là comme population pas garder ça il était passé mail dans cou Martine Moïse li en Brésil. C'est Martine qui chaise il pas quitter nèg Port-au-Prince pour tes chaise bali qui de femme pour bail contrat pour faire tout bail ça président t'ai évité ça les contrats léonais ensuite en pile ou gen question gaz dans pays là. Ou qui secteur donc les présidents il craser monopole qui dans dans secteur gazio il a fait ennemi donc monde qui te gagné et même mise sous secteur ça yo pas ami président ou gen question route au kilomètre route président te dit c'est 1,500,000 ou $200,000 américains que te kon coûté avant et avec c'est à 150,000 que li réalisé au kilomètre route mon secteur ça a en face président parce que président tout côté que l'argent l'état a mal utilisé les mégots sous c'est ça président est fait il t'a cherché parce que moi fait sur Jean-Claude Duvalier mes parents me toujours parler de Duvalier père ou de Jean-Claude tout parce que et mon co majeur les Jean-Claude Duvalier perd du pouvoir bon dans l'entreprise l'état public que l'État fait, t'es créé, c'est pour t'es capable de financer budget de la République là, pays à pour développer pays à, pour faire route parce que y a pas de compter sur la communauté internationale. Lors prend Téléco, moi rencontré avec près de 3 directeurs Téléco, pas d'hommes députés, qui disent que Téléco c'est une des plus grandes entreprises publiques qui te gagne dans Caraïbes là. Et pour te Jamaïque, pour te passer appel vers les États-Unis d'Amérique, faut qu'il passe par Téléco. Et là, il a passé
vers Téléco gain devises étrangères. C'est dollars américains qui a rentré. Donc ça c'est pour financer trésor public pour de pour économie en t'est capable et fleurir. Ou gain la cimenterie nationale. Toutes ces deux entreprises et la minoterie, c'est deux entreprises publiques que l'État a créé à l'époque. C'est un État visionnaire, peu importe que c'était des dictatures et époque là t'es mérité parce que c'était une réalité non géopolitique qui t'est cause parce que c'est pas imposé. Pour n'y a pas aucun monde qui a vu une libéral imposer aux dictatures ici. Non. Ou qu'a imposer une dictature à travers la loi. C'est ça la démocratie. Le respect scrupuleux de la loi lit automatiquement l'évolution vers la dictature. Mais c'est la loi qui a pas appliqué. Tout n'est son entreprise. Donc entreprise ça. Entreprise ça a été faite à un certain moment pour capable financer en pile travail question route faire l'école et centre de santé l'hôpital. Donc où vient prend à partir de régime président Préval, c'est lui qui prend venir en terme avant c'était privatisation le les ouais peuple là pas d'accord modernisation. Yo relèl modernisation. OK? Yo relèl yo ballon bel sinon modernisation. Ça c'est conseil de modernisation des entreprises publiques, CMEP. Nous créons institution. Pendant que député me descend et malouer avec institution responsable institution ça yo et qui pour bon mon état des lieux de toute institution que yo t'est privatisé. C'était Yves Bassin. Et à l'époque il était ministre, il était quitté, il y a un autre coordonnateur qui était remplacé. Mais c'est Bastien qui était ancien ministre et finance sous président privé, c'est lui-même qui était privatisé majorité institution l'état comme économiste. OK? Et à l'époque où il y a le gouverneur banque centrale, c'est le conseiller financier que la loi fait de Michel Benadjou pour la retransmission des matchs de foot. Aussi, ça passait par nos réseaux directement et on vendait les droits aux autres pays de la Caraïbe. Vous avez dit, c'est nous-mêmes qui permettons de gagner Fibio, c'est-à-dire Fidio, alors que vous êtes capable de faire une transmission match football dans la Caraïbe. Bien content. Merci. Donc, merci, Madame Bennett. Bien que des fois, il y a des problèmes que nous avons opposés. Oui, mais c'est démocrate que nous avons besoin de nous respecter. OK? Et donc, le mal est dans l'institution, ça. C'est même. C'est même, et puis au bon moment, il y a des lieux de comment l'institution a marché. Il y a des entreprises que vous privatisez qui n'ont jamais payé cotisation par eux. Et qui, pourquoi c'est sous président privé, il y a un pile, parce que monsieur Sonek qui connaît l'État. Oui, okay? Il y a un pile institution que l'État fait payer mais via le ministre financier à l'époque, Bastien qui connaît que tu as comme ça, l'entreprise n'a pas jamais payé, il fait au pays, il exige. Donc, président privé et président Jovenel Moïse, li monté, li joignons l'État, non seulement institution entreprise publique ça, qui était là pour financer, yo privatisé yo. Nous gen fonds Petro-Caribé. On va parler de ça. Fonds Petro-Caribé pas arrivé sous Jovenel. Jovenel pas gen aucun. Il va prendre aucune résolution. Aucune résolution. Dernière résolution c'est sous privé. Sous privé dernière résolution fait, président privé de 30 millions de dollars. OK? Donc monsieur, c'est avec ressources pays pour le faire, on sait de projets de route, de construction, l'école, tout ça, c'est à partir de recettes et internes. Parce que sur le plan international, bon, qui dernier accord qui vient, sinon que accord que Taïwan prêtait l'État 150 millions de dollars. Et pour arriver, presque arriver, atterri, faut que le Parlement, c'est après caducité la Chambre des députés. Tout déblosage ou te wèk gen nan parlement, mégaphone, krasé séance, bandé derrière, odeur et nauséabonde. Donc tout ba ça c'était pour contrat 150 millions de dollars pour pas passer. Pour le pas passer. Donc de véritables moun que population voté comme défenseur yo, au lieu al défendre population, y al défendre même moun qui capturer l'État. Donc c'est ba ça qui menait président Jovenel Moïse en batté. Mais yon rive gen victoire sous corps physique président. Mais toute revendication, tout idéal président, te kwe la donne, kwe pays, de comprendre de et ou aller de tout pays, le pays profond, réel, président, li te travail dans le département Gredens, ou aller dans Port de Paix et Nord-Ouest, la Kaili.
c'est premier président qui finit avec le projet d'infrastructure là dans nord-ouest depuis le nord-ouest là qui a fait de gros chantiers. Président t'es plus concentré parce que Port-au-Prince là, dit qu'on fait 3 mois pays loc, président c'est perdure. On va c'est on va c'est même tu peux comprendre le président arrive il pas joindre le pas joindre cob c'est PHTK, c'est candidat PHTK, c'est PHTK qui a un copie au Caribe. Donc, ça veut dire, est-ce que ça montre clairement que PHTK lui-même est dilapidé copie au Caribe, ou du moins si tu fais une mauvaise gestion ou bien de mauvais investissements dans le ça. Ou du moins, est-ce que tu as choisi Jovenel, tu as besoin de président pour venir couvrir pour eux, puisque eux-mêmes, ils ont dépensé comme la mal. Moi, j'ai de certaines vérités pour me bailler. Oh, votre son député Kid. Qui t'a fait alliance avec PHTK depuis la campagne électorale. Et président Jovenel, rivé monté comme président, le parti que le sorti, que le candidat sous lui, qui c'est PHTK, m'a rivé chita une seule fois avec parti ça, t'as une réunion parlementaire, KID, PHTK, bouclier. Et autres alliés à l'époque que tu as monté bureau parlement. Ok, c'est seule et unique réunion que j'ai assisté avec PHTK et alliés. Donc, comme parti, président Jovenel Moïse, li élu son parti. Est-ce que parti a été pris en charge l'élevé président? Est-ce que tu es connu de réunion de directoire de parti avec alliés? Moi-même, qui c'était un député du KID, j'en m'assistais avec deux réunions pareilles pour dire que le PHTK comme parti, il prend le président en charge, il y a deux dossiers d'État, c'est parti avec deux bails de direction. Donc, pas de bien ça. Ok? Nous pas de vivre ça au niveau, et pas de vivre pendant madame dans le Parlement, que tu as deux réunions KID, PHTK, allié. Qui a bail de directive avec l'équipe qui est au pouvoir. Président, tu es plus. Son président, et c'est président, tu es capable de mettre un bac là, un système de PHTK comme parti qui encadre le président. Tu as un problème ça. Mais dites-toi que PHTK est comme parlementaire, nous avons la vérité, sur deux enquêtes qui menaient au niveau Fonds Petro-Caribé. Je crois que enquête qui fait autour de Fonds Petro-Caribé, ça, c'est de politiciens qui tapent maintenant. Il y a de contrats, majorité contrats qui étaient engagés. C'est avant que le président Martelly, à l'époque, peut-être 2 semaines ou 3 semaines avant le premier investiture, que le premier ministre Bellerive pral signé, engageant ces deux firmes dominicaines pour une exécution de ces deux contrats. Et la loi dit combien pour censé, c'est 30-30. 40% ou bien 40% premier versement et puis par des tranches de 30%, ou est que contrat ça ouvre le signe à 80%, 75% de valeur là, sans au pierre vous proposer. Et ça, c'était sous Bellerive qui était engagé une bonne partie du Fonds Petro-Caribé, faut que la vérité des faits. Et à l'époque, contrat ça, t'es gain 49e, t'es gain 48e législature qui était en fonction. De sénateur, de député en fonction à l'époque, pas de gain aucune enquête qui a été faite sur le Fonds Petro-Caribé qui était pour dire prendre des mesures et de que constitution bayo ou mission pour contrôler l'action gouvernementale pendant fond ça a dépensé. Au contraire, gain de parlementaires, c'est comme de agents de l'exécutif qui était dans dépenser fonds. OK? Donc au lieu de faire contrôle et bizarrement c'est parlementaire Zayo qui pourra le constituer dans 50e an comme de parlementaire qui pourra le faire en résolution, qui pourra le mener enquête sur question faux Petro-Caribé qui était mal utilisé. Et à l'époque, yo même, yo était là pour te mener. Donc, vous avez madame nan qui était premier ministre, dont non échappé madame Pierre-Louis, que ancien sénateur l'Ouest qui te dit son album photo, yo présenté comme rapport. Pour plus que 197 millions de dollars qui étaient dépensés. Donc rapport ça, parlement qui était en fonction à l'époque, yo, législature ça, pas fait travail. Yo. Donc, ou vient gain du rapport que de sénateur fait, de rapport politique. Donc, que l'histoire des faits dit que l'on prend un nombre de résolutions, il y a 2 milliards
et des centaines de millions de dollars, des 2 milliards et des centaines de millions de dollars, li pa jam 4 milliards. Donc population prend tout dossier ça yo la guerre sous dos président Jovenel Moïse. C'est l'agent Petro-Caribé, monsieur te gon contrat et de route comme entrepreneur à l'époque que te bali de 20 ou 25 millions de gourdes que le fait travail à 85%, il me l'a confisqué. Donc si on gon contrat avec l'État, monsieur Marco, l'État là pour l'évaluer travail qu'on fait, mais quantité travail qu'on fait, mais quantité quoi que te baou yo évaluer. Et si que ou pas fait quantité de travail ou pas fourni travail côté de faire là, l'État d'abord, institution qui était bon contrat, l'a contraint d'où soit payer ou bien finir l'a pisté en justice contre. Mais l'offre amalgame tout fond que tu gagnes, c'est fond Petro-Caribéa, c'est au cas par cas pour le traiter. Tu gagnes quoi dans mon pour construire l'école, un collège, un lycée ou pas faire. Donc ou restituer à l'État l'argent, et si ou pas restituer, l'État a été en justice contre vous. Mais l'offre un amalgame, ou prenez tout dossier ou faire, c'est de dossier politique ou après glo pour défendre le pays. Ou à chercher de moyens, de subterfuges pour capable prendre contrôle par l'air pour peuple remède ou pas aider peuple là vraiment. Parce que le l'argent ça ou tape décaissé, ou t'es de parlementaire en fonction, ou pas de jambes veillées. À paye fin, comment que exécutif là. Et en bonne partie, Malcolm toujours ouais qu'on a fait de rappel val historique. Fonds Petro-Caribéa, il n'y a pas de jambes budgétisées. Là, il fait commencer de 2008 à il fait deux ans sans qu'il parle dans le budget de la République là. Ok? Donc, budget, t'es un parlement. Fonds absorti, son fonds que l'État, c'est pas cadeau que Venezuela fait l'État cadeau. Donc, parlementaire, pas de jambes exigées. Pour que comme ça a été budgétisé, vous n'êtes capable de contrôler. Donc, sous président Préval, fonds Petro-Caribéa va être budgétisé. C'est une vérité historique. Bon. Et président Jovenel Moïse ne doit pas te joindre comme Petro-Caribéa. Je nous dis là, il ne pas te joindre. Mais ça crée, c'est que, en bonne partie dans comme ça, vous ne pas dire pif au comme là, il est censé décaisser sous pouvoir être calé. À l'époque, c'est Michel Martelly qui était président. Donc, en plus, le monde croit tout que Jovenel Moïse a une difficulté pour te faire un procès ou bien pour te chercher qu'on est qui côté coblaté. Maintenant, dans le rapport, Jovenel Moïse était impliqué. Vous avez expliqué là un paquet de raisons que tu as fait président Moïse. Mais qui j'en comprend tout que pendant que vous énoncez tout ce que vous là comme raison que tu as fait tuer président, donc ça veut dire que le monde est capable indexer catégorie de monde qui était tout en face président qui t'a gagné intérêt tout elle et puis dans toute invitation qu'a fait yo et c'est surtout des monde politique et moi dans des Maurice Jean Charles dit ça c'est tout des monde politique c'est nèg tête grand tellement et